Carrefour Kendeka. Et comme vous le constatez, maintenant, la protection civile sur le terrain, nous sommes face à un cas de découverte macabre de corps sans vie. Il s'agirait d'un homme âgé d'une trentaine d'années et qui a été retrouvé mort ce matin. Et on apprend que, au vu de ce qui se voit sur le corps, tout pourrait porter pourrait faire croire qu'il s'agirait d'un cas d'assassinat. Même si pour le moment nous ne pouvons pas tirer une conclusion en attendant l'arrivée du médecin légiste. Déjà la zone est quadrillée par les policiers du commissariat central de Matoto. Et tout à l'heure, vous venez d'assister à l'arrivée donc, de la protection civile qui sont censés transporter le corps après constat par un médecin légiste et une équipe de la police technique et scientifique. Voici donc ce que nous vivons aujourd'hui encore. Conakry vit au rythme d'au moins un cas de découverte de corps sans vie par jour. Donc il faut reconnaître que cet endroit quand même est connu comme un coin très dangereux. Il y avait beaucoup de cabarets, comme vous pouvez bien le constater, qui ont été démolis, mais malgré tout le lieu n'est pas vraiment en sécurité. Ça aussi, ce sont des aspects qui pousseraient les gens à croire à l'hypothèse de meurtre. Même si nous ne pouvons pas confirmer cette information en attendant une conclusion certainement qui sera tirée par un spécialiste en la matière. Déjà, le point focal de la police technique et scientifique de Matoto, commissaire, vient ici et se place en attendant l'arrivée de l'équipe. Pour question de dignité de la vie humaine, nous ne pouvons pas vous montrer le corps, mais il a été amené de ce côté. Il a été jeté derrière ici, derrière ces murs d'un ancien cabaret, mais pratiquement contigu à la chaussée ou à la ruelle qui remonte vers... Donc vous pouvez bien constater cette plaque-là couvre le monsieur qui a été carrément jeté derrière ici et c'est sa casquette que vous pouvez bien observer. Mais pour des raisons de respect éthique, nous ne pouvons pas vous montrer le corps puisque les images sont choquantes. On apprend que le jeune dont le corps vient d'être découvert serait un habitué de ce coin. Mais comment a-t-il été tué? Ça, nous ne le savons pas. Voilà, on assiste donc à l'arrivée de la police technique et scientifique. Thank you.
Je connais la chanson. Ah bon? D'accord. C'est faire sans vous. Donc c'est ça, et pour rappel, donc, il s'agit d'un cas de découverte de corps d'un jeune qui a trouvé la mort dans des circonstances dont nous ne savons pour le moment pas. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'il est ensanglanté et selon les premiers constats ou des indiscrétions, on pourrait penser à l'hypothèse de meurtre. Et ça se passe juste en face d'une boîte du Carrefour Kendeka pratiquement. Et donc vous avez constaté que ces derniers temps, nous avons besoin de questionner la sécurité dans la ville de Conakry, puisque c'est là réellement que ça se passe dans la majeure des cas. Dans la majeure partie des cas, en tout cas. Cadre, Azari, recule-toi. Tu peux travailler à distance, non? De toutes les façons, on ne va pas faire sortir son visage. Ah, et tu le sais? Tu sais que ça ne va pas sortir. Donc, vous posez cette question et pour ceux qui viennent de nous prendre donc en marche, retenez que nous sommes à Conakry, dans la commune de Matoto, au Carrefour Kendeka, pratiquement où des cas de découverte macabre de corps sont très récurrentes. Et aujourd'hui, donc, un jeune âgé d'une trentaine d'années vient d'être dont le corps vient d'être découvert par la population et il serait connu dans les parages. Et c'est un corps sans vie, ensanglanté. Voici ce qu'il faut retenir en attendant et les responsables de la police technique et scientifique. Gang. Thank you.